Ça va, le docteur attend qu'elle se réveille. J'ai pris ça à tout hasard. Mais il est fou. Si après la séance d'hier, il n'est pas dégoûté de César. Mais ça ne prouve pas que Jules a une chance. Ah non, vous l'allez pas recommencer, hein. Aujourd'hui ou jamais, hein. Souriant. Un soupçon de tendresse dans l'œil. Je suis Jules. Je sais bien que vous êtes Jules, mais c'est César que je veux. Mais... Mais ne contrariez pas la malade. Et si c'est votre frère qu'elle préfère? Mais mon frère et moi, c'est... Enfin, moi, j'ai besoin d'être fixé une fois pour toutes. Une fois pour toutes, je veux César. Alors, vous n'êtes pas guéri? Ce qu'il est, je suis là pour vous le dire. Guéri de quoi? De l'aventure, de... Avec un homme de la trempe de César, impassible devant le danger, tellement merveilleux, mais... Mais j'irai jusqu'au bout du monde. Ça va pas? Pas très bien, non. Permettez. Bon, je vais vous faire une petite ordonnance, hein. Allez. Bien que ça vous plaise ou non. Elle veut César. Elle aura César. Je me laisse pousser les moustaches. Je vends mon magasin et je l'emmène au Sénégal. Et l'état civil? Ah, César n'épouse pas, monsieur. Il enlève. Annette. César. Mais dites-moi, mon vieux, mais c'est très grave. Elle? Non, non. Votre frère. Bon. Hein? Mais je n'ai même pas osé lui dire que... Permettez. Mais que quoi? Mais que son cœur pouvait le lâcher d'un jour à l'autre. Non. En tout cas, vous pouvez être tranquille de ce côté, hein. Vous, ce serait plutôt le foie. Faites voir. Le foie du colonial. Oui, eh bien, je m'en fous. Naturellement, pas question de vous lever avant 3 semaines. Hein? Hein? Allez. On va danser. On y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Si tu tiens à ta peau, tu continues à passer l'autre film jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi? Parce que... Parce que je ne sais pas faire de motocyclette.